tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo voiture. Alors évidemment, je compte sur vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fera extrêmement plaisir et c'est gratuit. Il faut savoir que cette voiture est unique. Vous allez comprendre, elle vient de chez Ikea. Vous allez tout comprendre. Déjà, il manque la poignée, le truc noir, le haillon, il me semble. Pour ouvrir, voilà, il faut le doigté masculin. Voilà, ça c'est enfin ouvert. Voilà, c'est de la merde. Quand on m'a vendu la voiture, il faut savoir qu'elle était en très bon état. Bon état, on va rester sur ça. Sauf que moi là, je suis en train de la finir. Et comme diraient mes amis, elle est entre la casse et la déchetterie. Là, elle part plus à la déchetterie qu'autre chose. Oh papy, tu nous casses les couilles avec ton râteau. Voilà, voilà, c'est parfait. Où en étions-nous? Du coup, il faut savoir. Déjà de une, il y avait une bouche d'aération. Sauf que lui, il nous a dit nique ta race. Du coup, maintenant, je mets mon téléphone dedans. Ça change, ça tient et ça aère le téléphone. Pas mal. Pour le siège, là, c'est autre chose. Là, je peux vous dire que si tu veux bien t'installer dans le siège, il va manquer des vis. Il va manquer la poignée, surtout. Déjà ça. Cette vis-là, tu sais pas si elle vient du moteur, si elle vient d'une roue ou autre pièce de la voiture. Mais elle vient de quelque part. Mais je sais pas où. Du coup, c'est la merde. Alors ça, dis-toi que si t'as un accident et que tu veux t'accrocher, bah tu peux pas, tu finis dans le pare-brise direct. Carglass répare, Carglass remplace. Là, les urgences, ils vont se faire un plaisir. Même l'assurance, là, va changer le pare-brise direct. Disons que là, pour les frais de réparation, on va faire des économies. Vous voyez ce frein à main? Bah juste là. Il faut savoir qu'un frein à main classique, ça fait 3 crans. On est d'accord. Le mien, voilà, c'est un god le truc. Clairement, tu te mets dessus, tu danses la samba. Et c'est pour ça que papy derrière avec son râteau, il va finir dessus parce qu'il me casse les couilles. Du coup, ce frein à main, juste là, ici présent, faut le réparer. Mais bon, on va pas se mentir, ça donne un style. Hein. Clairement, t'as du choix. Court, mais gros, et long, et fin. Tu choisis quoi? Alors là, ici, chez Disneyland, c'est pas compliqué. T'as une batterie pour faire un barbecue. Du liquide et de refroidissement, il n'a plus, enfin je replie celle-là. Le bricoleur. La liquide de frein, eh ben, il n'a presque plus aussi. Et là, là t'as le monstre, là t'as le V12. Quand tu l'allumes, il ronronne. Ah, tu lui donnes des croquettes? Crois-moi, ça se fait. Alors si t'enlèves tout ça, eh ben, il y a des fuites. Ah, il y a des fuites, hein, c'est pas bon. Ben, elle roule, c'est le principal. Quand t'as plus de chauffage à la baraque, ça dépanne bien. Eh ouais! Là, ici, juste en bas, là, le roue, elle fait ça, elle fait un S. Le stress, il y a point S. Quand tu roules, le roue, elle fait ça. C'est pas compliqué, faut la réparer. Ah, ça roule, là. On va faire un petit essai. Bougez, quoi. On va justice, Charon Ron, hein. Alors, papy, déjà que tu nous casses les couilles avec ton râteau. En plus, tu balais la rue, fais un geste, t'as nettoyé la voiture. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je compte sur vous. Lâchez votre plus gros pouce bleu, votre plus gros commentaire. Ça fera extrêmement plaisir et le soutien sera présent. Je compte sur vous. Pour ma part, il y a un clignotant à remplacer et il y a papy